Et coucou à tous les amis, c'est votre snacko préféré et on se retrouve pour le Grand Prix de Hongrie Succès F1 Manager 2024. Alors, donc on s'y remet, hein, une semaine et demie ou deux semaines qui sont passées les amis. J'ai pas pu poster de vidéo parce que bon, j'ai dû faire face à beaucoup de problèmes au niveau administratif et beaucoup au niveau assurance, donc voilà, ça a pris du temps. J'ai pas eu le temps d'enregistrer, voilà, des vidéos en rab. Donc ici, voilà, on y retourne. C'est parti. Bon, alors, Grand Prix de Hongrie. Mes deux pilotes Ferrari, hein, premier et deuxième, comme vous voyez. C'est Carlos Sainz qui mène la danse. Hein. Verstappen n'est pas très très loin derrière. Et Ferrari mène au classement des constructeurs. Donc ici, la bagnole. Il y a un problème. Cinquième et sixième, c'est pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme. Donc je me demande... quand est-ce que les pièces en fait vont arriver? Fond plat. Ouais. Annonce des résultats des votes sur la réglementation. Fond plat. La recherche. Ouais, donc ouais, il n'y a pas grand chose à chercher. Donc on est à combien au niveau du 31%. Ok. 31%. Donc là, il faut faire grandement gaffe, les amis. Il faut faire grandement gaffe. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a passé la mi-championnat, non? Ok, il y a quand même pas mal de courses encore. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, on a passé la mi-championnat. Il reste 31% de budget. Ok, ça va être short, mais bon, on va essayer de se démerder avec. Hein. Voilà. Donc au niveau des équipes d'entraînement au stand et ainsi de suite, ça c'est pas mal. Au niveau des installations, on ne va, je vous le dis très clairement les amis, on ne va plus rien faire pour le moment. Ça nous coûtera trop cher, hein. Ça nous coûterait beaucoup trop cher. Ouais. Même au niveau des remettre à neuf, hein. Ouais, ça n'irait pas. Donc ici, bah, on va faire continuer. Voilà, elle va en fabrication finalisée, un contrat accepté. Ok, donc les trois contrats aussi sont acceptés, donc ça c'est nickel. À fabrication, elle va en, donc ça c'est fait. Alors, donc 4 millions 1. Alors attendez les gars, parce qu'il faut que je revoie. Donc Diego Tondi à 4 millions 1 x 0,60 pour 3 saisons. Diego Tondi, il a quoi comme contrat lui, de base? Il a 4 millions 2, il a 4 millions 2, donc ici les amis, on fait quand même une petite économie, donc c'est pas plus mal, donc on va dire oui. On te rire en gauche, Coco. Alors, pour Ricardo maintenant, Adami, 1 430 000. Alors, Ricardo Adami, où? Oui, 1 430 000. Bah, 1 430 000, ok, d'accord. Donc, il est sur le même contrat, quoi. Je lui dis que ça comme ça. Ok, ben, bah, sur lui, entre guillemets, on ne gagne rien, mais c'est pas très grave. Hop, ça en vaut la chandelle. Et pour Enrico Cardile, 3,85 millions. Alors, 3,85, pardon, excusez-moi. Alors, Enrico Cardile. Et là, on a quand même fait une petite économie, les amis, de 100 000 dollars aussi. Hein, donc, c'est vraiment pas plus mal. Hein. D'ailleurs, je me demande si l'affichage... il n'y a pas un affichage en euros. C'est dommage quand même. Il n'y a pas d'affichage en euros. Non, il n'y a pas d'affichage en euros. Bon, ben, soit. Ouais, course standard. Il y a aussi difficile. Donc, on va rester en standard. Vu qu'on a commencé en standard, les amis, ils sont en standard pour le moment. Hop. Alors. Du coup, oui. Hein, on va confirmer l'embauche aussi de Enrico Cardile. Et ça nous fait une économie sur salaire encore. Donc, c'est pas plus mal. Ça fait 200 000 dollars. Alors, c'est pas grand-chose sur le papier, mais bon. On va pas s'en plaindre. Hein. On va pas s'en plaindre. Bon. Alors. Oui, donc là, on continue. Il y a une petite sauvegarde. Stock de châssis faible. Ouais, non, ça devrait aller, ça. Ça devrait aller. Hop, on continue.
La fabrication, c'est bon. La conception de long avant, ouais, d'accord. Alors. Donc on a pour le moment on a ce qu'il faut. Ouais, pour le moment on a ce qu'il faut, donc c'est pas un souci. Hop, on continue. Alors, le résultat des votes, quel est-il? Et oui, non, franchement, attitude très mécontent. Et pourquoi? Et pourquoi j'ai pas compris là, attitude très mécontent. Et pourquoi c'est quoi le business là? En cours de remplacement. Ah bah oui, mais ça. Ça, mon coco. J'ai envie de te dire, voilà quoi! Hein? Sans contrat, donc la saison prochaine, on aura Peter Bonington. Alors, résultat des votes. Donc, à voter pour. Ah, ok, d'accord. Donc, si vote pour, non, contre. Votre réponse, votez pour cette proposition. Effet de votre réponse, aucun effet. Ok. Alors attendez, hein, je regarde. Donc ça a eu aucun effet en fait. Je comprends pas là. Pour désormais confirmer que la majorité a voté en faveur de ces modifications. Ok, d'accord. Donc les écuries les plus performantes auront accès à un plus grand nombre de souffleries et de simulateurs. Donc ça c'est très bon pour nous. Allez. Fabrication des fonds plats. Yes. Alors, fabrication des fonds plats, c'est parfait, c'est nickel pour ça. Hop, voilà les amis, on est au Grand Prix de Hongrie. On va changer la pièce. Voilà. Au niveau du châssis, hein, au niveau du châssis, c'est un peu mal fichu tout ça. Au niveau des suspensions aussi, mais bon. Hein. On va rien dire, et il va falloir aussi regarder les amis, les trucs moteurs. Hein, parce que là, c'est vraiment le truc qui me fait grandement peur, ça. Les moteurs, les ERS, les tout ce que tu veux, ça me fait. Et ah ouais, 2,5 millions. Oh là 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 là, ça va faire mal. Ça va faire grand bobo, ça. Et sur la voiture de. Attends. Là, je suis sur la voiture de Leclerc. Sur la voiture de Leclerc, ça va. Pour Sainz. Sainz, par contre, au niveau de l'ERS, bon, il va galérer un petit peu. Ouais, au niveau de l'ERS, bah, il va galérer un tout petit peu, hein. Donc on va devoir. De toute façon, les gars, on va devoir lui acheter une nouvelle pièce. C'est automatique, on va devoir de toute façon. Allez, on est parti. Quatrième pour Charles. Ah, c'est. J'hésite, mais. On va mettre sixième et septième, allez. Étant donné qu'on reprend. C'est parti. Bienvenue dans la magnifique vallée des Trois Sources, ici en Hongrie. On se retrouve aujourd'hui à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Budapest était auparavant composée de trois villes et aujourd'hui elles sont rassemblées pour donner le coup d'envoi de ce qui sera un week-end de course palpitant. C'est Charles Leclerc qui a goûté à la victoire lors de la dernière course. Il va sûrement chercher la recette pour réitérer son succès et tenter de décrocher une nouvelle place sur le podium. Ce week-end de folie commence. Et on y va les amis pour ce Grand Prix de Hongrie. Alors comme vous voyez, samedi, il y a de la plouffe. Donc parfait. Et dimanche, donc, il fait sec. Alors on va faire comme dans la dernière vidéo les amis. C'est-à-dire que je vais faire les essais donc en off. Je vous dis un petit peu ce qui s'est passé. Et on se retrouve dans la vidéo. D'ailleurs, bon, ça change pas. Allez, en 5 secondes, ça va être fait. On se retrouve dans la même vidéo pour suivre les qualifications et la course de ce Grand Prix de Hongrie. A tout de suite. Et re les amis, nous voici maintenant pour les qualifications de ce Grand Prix de Hongrie. Q1, Q2, Q3 qui vont se passer sous une grosse. Ah, j'avais pas vu ça, les pièces endommagées.
Ah, super! Ok, ben parfait. Bon, ben, du coup, Carlos, voilà, on va lui mettre un nouveau bloc moteur. Ben, super, parfait. J'avais pas vu ça, hein, les gars. Donc, oh, le RS. Oh, le RS. Oh! Oh, merde. Oh, merde. Pardon, désolé les gars, mais c'est voilà, c'est pas terrible. Misère. Et si Carlos n'a pas, ouais, au moins il a 53% lui, mais oh là 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 là, la catastrophe. On va perdre un peu de puissance ERS, tant pis, mais oh là 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 là, ça va être un souci là. À moins que je rachète un nouveau bloc. Ça va déjà me faire encore un trou dans mes trucs. Aïe 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 aïe. Faut essayer de se démerder, les amis. Ah, malheureusement, ça me plaît pas. Mais on n'a pas le choix. On va se démerder, tant pis. Hein. Tant pis, c'est comme ça. Allons-y, les amis, pour cette Q1. C'est parti. Alors, normalement, ça devrait être easy to finger in the nose. Hein, mais. Ouais, encore to finger in the nose. Ouais, non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et on va sortir avant que les conditions se dégradent. On va sortir, ouais, avant que les conditions se dégradent. Le jeu qui a pas l'air. Il a l'air de laguer un petit peu, hein, le pépère. Ouais, il avait l'air de laguer un petit peu là sur le coup. Et là, Perez, à mon avis, a gêné un peu Leclerc. Mais bon, est-ce que c'est le même chrono? Ah ouais. Leclerc, il a été gêné. Il a été clairement gêné, Leclerc. Il a été clairement gêné. Sainz, ça va, mais. On va refaire sortir Charles. Et encore, je pense que ça devrait suffire pour Leclerc, mais. Et non, 7e, ouais, non, il se retrouve en 11e position. C'est. Ça va être hardcore. Je préfère qu'il sorte. Tant pis, on va faire utiliser un petit peu de RS, tout ce qu'on veut, mais je préfère qu'il sorte et je préfère qu'il aille taper un chrono. Alors, il fait combien? Il fait 9e. Oh là 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 là, Leclerc! Mais par pitié, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, au plus haut, ça se voit pas, hein, punaise. Par contre, on va le faire sortir maintenant, c'est pas possible. Eh oui, on va le faire sortir maintenant, le pépère, Leclerc. Allez, par pitié, quoi. Je sais pas ce qu'il fout, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Là, par contre, Leclerc, il a la piste. Ah, oh non, il s'est planté. Il s'est planté, Charles. Mais non, mais qu'est. Et il casse sa bagnole. Ah ben ouais, ben bravo. Ah ben bravo, Charles, merci. Merci, le bon drapeau rouge. Oh non, c'est pas vrai. Et Charles qui va être qualifié Siasco pour cette. Ouais, ça va être terminé. Ben oui, à mon avis, ça va être fini. Ça, 1 minute 58, il y a tout le monde qui va refaire un tour, mais ça, c'est clair. Ouais, ah, même pas. Il n'y a personne qui est sorti, quoi. Ok, super! Merci, Charles! Je sais pas ce que t'as foutu, mais. Ah! Bon. Tant pis. Pièce manquante, tu m'étonnes. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais tu veux que je fasse quoi? On doit tout remplacer! On doit tout remplacer! C'est une vanne! Et niveau moteur, mais il a tout cassé! Il a tout cassé! Le RS, ben oui, déjà le RS était déjà pas en bon état, mais là, si tu continues à le casser. La boîte de vitesse a un problème. Oh là 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 là. Oh. Écoute, tu sais quoi, Leclerc? Pas grave. Plafond de dépenses restant, si vous disiez, vous dépasserez la limite par saison, ce qui entraîne une pénalité sur la grille. Ouais, mais ça, je me doute, la pénalité sur la grille. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est la boîte de vitesse. Est-ce que la boîte de vitesse tiendra? Ouais, non, non, non. Vous savez quoi, les gars? On va pas faire les crevards. Hein, excusez-moi du terme. Allez, nouvelle boîte de vitesse pour Charles. Voilà, boîte de vitesse neuve. Hein,
on s'emmerde pas. Voilà. Donc là, par contre, ce qui est malheureux, c'est que Charles va être va bouffer 10 places de pénalité. Ah mais de toute façon il est en abandon donc voilà, autant qu'il se bouffe des pénas quoi. C'est pas terrible mais voilà. Ok alors graphisme par contre, punaise mais j'ai vraiment l'impression les amis en fait que niveau des graphismes, pourtant le PC il est très bon hein, mais j'ai l'impression que ça ne supporte pas très bien. Anti-aliasing. On va diminuer un petit peu, hein, voilà. Bon, certes, ça va pas faire grand-chose sur le bazar, hein, soyons clairs là-dessus, hein, mais bon. Alors. Et là, par contre... Autant mettre, faire ça avec des pneus secs, non? On va faire ça avec des pneus secs, les gars. Parce qu'on est en dessous du truc, donc des pneus secs, voilà, c'est plutôt une bonne option pour le moment. Donc autant faire ça. Alors par contre, et voilà, donc ouais, Sainz il va être gêné par Ricardo. Il va être gêné par la... par la Racing Bull de Ricardo. Bah ouais, tu m'étonnes. Aïe 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 aïe, ouais il est gêné hein. Il a dépassé Ricardo, mais ouais voilà, yes, bon bah. On est P1, mais voilà. Donc là les gars, on laisse comme ça, hein. Soyons clairs. On laisse ainsi. Troisième, voilà, c'est largement suffisant. Leclerc, ben P15, de toute façon il va partir dernier. C'est comme ça, la punition est ainsi, il s'est planté. Et on lui a mis un châssis neuf et toutes les pièces neuves. En attendant, j'espère que Sainz va pas nous faire des conneries. Parce que là, ce serait une catastrophe internationale. On n'a plus d'aileron avant. Donc, c'est ça qui est problématique. Peut-être que je dois en recommander un en urgence. Et châssis et ainsi de suite. Parfait, on avait pas besoin de ça. Hein. On avait absolument pas besoin de ça. Ben oui. Et qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Éliminer pour Charles, ok. Et du coup, on n'a même pas vu... Je suis un peu neuneux, moi. On n'a même pas vu les éliminer. Excusez-moi, les gars. Du coup, avec tout ça... ben oui, 15e. Ben oui. Excusez-moi, les gars. J'ai été vraiment distrait, là. Là, c'est une petite catastrophe qui s'est passée, donc... Alors, on va faire une petite pause ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai que... Ah, on voit même pas la session? Non, on voit même pas la session. Ok, d'accord. Bon, ben, soit. C'est pas très grave. Alors, donc, il fait humide. Donc, c'est la merde, hein. Soyons clairs. C'est la merde. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. C'est H24, quoi. Ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, Sainz, il va sortir maintenant. Tout le monde va sortir maintenant. Voilà. En tout cas, voilà. Maintenant, on va suivre les amis Carlos Sainz sur son tour. On va voir s'il sait gérer. Le leader du championnat. De points 2, ben oui, forcément, c'est lui qui passe en premier lieu, donc forcément, il a le tour. Je sais pas ce qui se passe, les gars, mais le truc, il a que je suis désolé, hein, mais c'est vraiment pas de ma faute. Je comprends pas pourquoi ça lag, ce truc-là. En tout cas, c'est pas fluide au niveau des performances. Par contre, 32.2 et 29.5, j'ai l'impression franchement que Sainz il est en train de faire quelque chose de pas trop mal. Hein. Je sais pas si Verstappen est en piste, mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, Verstappen est en piste. Ah voilà, ok, donc le deuxième secteur a été amélioré. Et le chrono maintenant de Carlos Sainz.
Et il est premier forcément, une 26.7. Perez qui se met à 34 millièmes, Perez. Yes! Donc pour le moment, Sainz est devant, il a pris les commandes. Des McLaren, Piastri, Alonso, Russell, Verstappen qui va terminer son tour, Verstappen. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le Néerlandais? Et... ah, il est en pôle, une 26.3. Ouh là là, 360 millièmes qu'il a mis dans la tronche à Sainz. Ok, d'accord, hein, voilà, voilà le concept. D'accord, ça marche. Alors, il faut essayer d'aller regarder la pluie, les amis, parce que... est-ce qu'il va autant pleuvoir? C'est ça que je me pose la question, moi. Est-ce qu'il va autant pleuvoir ou est-ce qu'on tenterait pas, justement, un truc en intermédiaire? Moi, c'est ça que je me demande. Je pense, les amis, qu'on va tenter quelque chose en intermédiaire, hein. Alors, c'est un pari risqué, ce que je fais là. Pourquoi? Pourquoi il veut pas démarrer, Lico, le con, là? Pardon, excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. On va tenter un pari, les amis. On va tenter un pari en intermédiaire. Mais je pense pas que c'est le pari, à mon avis, le plus gagnant du siècle. Je pense que... ouais, non, il reste à 4.15. Donc, ça va pas être génial. Alors, est-ce que Sainz va être un peu mieux? Ça, c'est la grande question. Et il est quatrième, Sainz. Il est quatrième. Aïe, 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 ouais. Et je ne sais pas, il fait quoi comme tour? Ouais, il n'améliore pas. Hein. Il n'améliore pas. Hein. Ah, la performance Ferrari, là, c'est pas terrible aujourd'hui. Hein. C'est pas terrible, mais c'est peut-être aussi de ma faute. Ouais, non, j'ai voulu tenter un gros truc, mais... ouais, voilà. Et voilà, les amis. Et là, par contre, les Ferrari sont vraiment en perdition. Donc, c'est Max Verstappen qui est en pause, suivi de Sergio Perez, Lando Norris, Piastri, les Red Bull et les McLaren devant. Carlos Sainz, Russell, Hamilton, Alonso, Stroll, Magnussen. Tsunoda va manger une pénalité. Hülkenberg, Ricciardo, Bottas, Leclerc. Leclerc va aussi bouffer une pénalité. Albon, Sargent, Ocon, Zhou et Gasly. Voici pour cette grille de départ, les amis. Une atmosphère extraordinaire règne aujourd'hui sur le Hungaroring, alors que nous nous préparons pour les 70 tours d'une course palpitante. Son cœur est peut-être à Budapest, mais l'âme de la course automobile est ici. Des décennies d'histoire de F1 remplissent chaque virage du Hungaroring, notamment le Grand Prix de 1989 où Nigel Mansell s'effrayait un chemin jusqu'à la victoire finale après un départ en P12. Ce circuit du Hungaroring peut paraître lent sur le papier, mais les F1 modernes le parcourent à pleine vitesse. Et comme il est très court, la position de départ est essentielle lors des qualifications. De plus, les pilotes doivent faire attention aux limites de la piste tout au long de la course. La tension continue de grimper alors que commence le jour de course. Et c'est vrai que je n'y ai pas pensé les amis, mais le Hungaroring est assez difficile pour les dépassements. Donc là il va falloir établir les amis une très très bonne stratégie. Et je parle surtout pour Leclerc. Hein, parce que là Sainz lui il part en P5, donc ça va être, ça va pas être facile. Mais il y a peut-être moyen qu'il s'en sorte. Voilà. Moteur botte de vitesse, ça j'ai pas trop à m'inquiéter encore une fois. J'ai pas trop à m'inquiéter, quoique... peut-être, est-ce qu'on peut... je ne sais pas si on... non, non, on va tenter de jouer comme ça, les gars. On va tenter de jouer comme ça, c'est pas grave. Au niveau du moteur, voilà, on va y aller un petit peu. Hop. Là, il va falloir y aller comme des oufs. Surtout Leclerc, hein. Surtout Leclerc, parce que là... Leclerc, il va falloir qu'il attaque de ouf. Par contre, 4 arrêts, ça me paraît quand même... 3 arrêts, pardon, ça me paraît un peu... 1, 2, 3, ouais, non, ça me paraît chiant, ça. Enfin, si je puis me permettre le terme. Je peux toujours tenter, hein. Ouais, on peut toujours tenter. On va tenter, les amis, comme ça. Et pareil pour Leclerc, hein, on va tenter comme ça. Il faut absolument, de toute façon... Faut absolument dépasser. Faut absolument dépasser. Là, hop, 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 hop. Tac, 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 tac. On va tenter comme ça, les amis. C'est parti pour ce Grand Prix. Bon, ouais, de toute façon, on va partir
22e, donc pas de chance pour nous. C'est parti les amis, allons-y pour cette course. Surtout restez bien installés, plus que quelques minutes avant le départ du Grand Prix de ce week-end. Le départ se fera en fond de grille et avec cette P20, ça risque d'être compliqué. On est tous impatients de voir la tournure que vont prendre les événements aujourd'hui. Et c'est parti les amis pour ce Grand Prix de Hongrie avec les Ferrari en queue de... Enfin la Ferrari de Charles Leclerc en queue de peloton et cinquième pour Sainz. C'est parti les amis, les deux Red Bull qui font un très bon départ. Il y a la McLaren de Lando Norris qui dépasse justement Perez. Et là il y a la Ferrari de Carlos Sainz qui passe en quatrième position, qui passe Oscar Piastri. Oscar Piastri qui se met bouché par la Red Bull devant et qui passe la Ferrari. Ça, c'est pas le départ que je voudrais. Leclerc, il est 19e. Ouh là, par contre, Carlos. Oh, Carlos, il est bien à l'intérieur. Il est bien à l'intérieur, Carlos. Et est-ce qu'il passe? Non, il passe pas. Non, il passe pas. Ok. Donc, les Ferrari. Oh, ah ouais, d'accord. Personne n'a gagné de place, quoi. Ah, super. Ah, magnifique. Ah là, 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 c'est pas. C'est pas le départ que je voulais, on va dire. Hein. C'est pas génial. C'est absolument pas génial. Leclerc, va falloir qu'il s'extipe vite. Et qu'il... Ouais, bah, là par contre, les gars, il va falloir que j'opte pour une stratégie quand même assez agressive. Pareil pour Carlos. Stratégie assez agressive. DRS activé. Et Verstappen là qui part déjà, mais les deux McLaren qui sont en train de se bagarrer comme des chiffonnières. Et ouais, ah il y a un drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé? Non ça va, ok. Là, blocage de Ricciardo au virage 2. Allez. Ouais, et là par contre il faut peut-être... Oh Carlos, non! Ça passe pas sur Oscar Piastri. Faut peut-être aller dépasser les McLaren, Carlos. Allez! Allez, mon pépère. Faut peut-être aller dépasser. Ouais, tout le monde a le DRS, là. Ouais, et il tente pas, il tente pas. Leclerc a dépassé Zou. C'est déjà une bonne affaire. Punaise, la défense de Piastri qui est assez virulente, qui se met juste devant la voiture de Sainz. Sainz, par contre, il faut qu'il fasse gaffe à ne pas dépasser ici. Ça me fait toujours peur, moi, ici. Alors, on va se mettre en neutre. Tant pis, hein, on va essayer de se préserver un petit peu. Ouais. On va essayer de se préserver un petit peu. Et là, par contre, Sainz est bien placé. Et il dépasse la McLaren. Même si c'est un peu ardu comme dépassement. Parce qu'il a envoyé carrément Piastri dehors. J'ai envie de dire que c'est pour Ferrari. On va pas s'en plaindre. Et là, par contre, on a plus de batterie chez Sainz. Ok, d'accord, super. Parfait. Donc là, il va falloir récupérer les amis avec les gommes. C'est pas grave, on va essayer d'attaquer avec les gommes. C'est pas grave du tout. Hein, on va pas s'en plaindre. On va essayer de récupérer le RS avec les gommes. Hein, et le carburant. Ouais, non, tu vas pas dépasser ici. Voilà, et quand même. Tu vas pas dépasser ici, mon coco. Ce serait trop ambitieux. Voyons, 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 voyons. Alors, ouais. Sainz, par contre, ouais, non, quatrième, mais à quel prix? À quel prix? C'est ça, moi, que je le demande. À quel prix? Et voilà, il a une seconde 2 au moins sur Piastri, donc ça, c'est nickel. Là, au moins, il a une seconde 2 sur Piastri. Il a même une seconde 7. Et Leclerc a dépassé Sargeant et Gasly. Donc ça, c'est nickel. Il a 9 dixièmes. Et là maintenant on va se lancer les amis à la bataille sur Lando Norris. Va falloir récupérer parce que là on a bouffé beaucoup de capital. Ouais mais attention Norris est en hard hein. Norris est en hard hein, donc c'est à prendre en compte. Il va falloir par contre que Sainz peut-être se bouge un tout petit peu les castagnettes. Il faut absolument qu'il attaque et qu'il revienne sur Lando. Tout à fait possible hein. Pour la Ferrari on est pour le moment performant en général hein, donc ah ouais 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 ah ouais regardez moi la ligne droite de la Ferrari ça rattrape vraiment pas mal et là on est à 8 dixièmes on est à 7 dixièmes donc ça c'est pas plus mal donc on a le DRS maintenant sur Norris. Leclerc qui continue hein, il a dépassé Ocon. Allez on va faire un petit dépassement de Leclerc dans la ligne droite. Bien joué Charles.
C'est extrêmement magnifique. Et il passe du coup, c'est 16e ou 15e? Mamma mia, ouais. Il passe 15e? Ouais, il passe 15e. Et là, Sainz, voilà, il est dans les starting blocks. Il est derrière Lando Norris. Allez, là maintenant, faut arriver à le suivre. Norris, de toute façon, il est un petit peu en difficulté. Ouais, par contre, là, il faut pas... Ouais, non, ça, c'est problématique. Parce qu'il y a plus d'une seconde, donc il va pas avoir le DRS, Carlos. Ça, c'est chiant. C'est extrêmement chiant. Excusez-moi du terme, mais Leclerc qui dépasse Albon. Yes, bien joué, Leclerc. Là, par contre, il faut le suivre. Il faut le suivre, on n'a pas le choix. Et là, on est en train de rattraper. Non seulement, les amis, on rattrape Norris, mais on rattrape Perez aussi. On rattrape les deux cocos. Et Leclerc a dépassé Bottas. Alors là, j'aimerais bien voir dans la ligne droite encore. Voilà, encore dans la ligne droite. Donc Leclerc qui passe 13e. C'est bien pour Charles. 13e position pour l'instant. C'est bien joué. C'est extrêmement bien joué. C'est parfait. Allez, Sainz. Par contre, je suis en train de bouffer du capital pneu. En veux-tu, en voilà. C'est pas plaisant. C'est pas plaisant. Dans le troisième secteur, j'ai l'impression que la Ferrari dans le troisième secteur n'est pas géniale. Là, ici, on a le DRS. Donc ça, hop, allez, on va l'activer. Voilà. Et là, oh là là, la bagarre entre la Red Bull et la McLaren. Et c'est la Red Bull qui prend l'ascendant. La Ferrari essaye de profiter justement, non. Mais ça permet du coup à Carlos d'être derrière. C'est pas plus... Et Leclerc a dépassé Hülkenberg apparemment, ouais. Et Leclerc qui fait un bon début de course, enfin au niveau de sa place quoi. Hein. Parce que là il est... Décidé de tenter le coup. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, d'accord, ok. Donc, ouais, toujours à la fin de cette ligne droite. Hein. De toute façon, c'est là il faut... C'est là, de toute façon, qu'il doit faire. Hein. Il n'y a pas 36 solutions, malheureusement, pour lui. Hein. Là, on va être en neutre, voilà. Il faut que Carlos arrive absolument à suivre le bousin. Et peut-être qu'il dit pas... Qu'est-ce qui se passe au niveau du bloc pointeur? La boîte de vitesse. Ouais. Donc, il va falloir changer, de toute façon, cette boîte de vitesse. Ça, c'est clair, net et précis. Et ça passe. Bien joué, Sainz. Non, c'est pas encore passé. Mais il va avoir une meilleure réaccélération. Et c'est Sainz qui passe. Yes, bingo. Et là, maintenant, par contre, faut aller attaquer. Faut aller attaquer. Allez, on y va. Il faut aller suivre maintenant Sergio Perez. Il faut aller le choper. Et il dépasse Magnussen, Leclerc. Yes. À mon avis, c'est dans le même virage, hein, comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Hein, regardez. Toujours dans la ligne droite. Alors, manquerait plus les gammes maintenant qu'il y ait une safety car, parce que pour Leclerc, ce serait pas trop mal. Hein. Je cacherai pas, ce serait pas trop mal. Et Sainz, par contre, ouais, non, il faut qu'il suive. Hein. Allez, Sainz. Allez, faut que tu suives, mon coco. Faut peut-être avoir le DRS. Est-ce qu'il a le DRS? Et il a le DRS. Yes, bingo. C'est pas mal, ça. Et ouais, Carlos Sainz. Carlos Sainz qui fait le meilleur tour. Et là, par contre, il va profiter du DRS. Et il va tenter peut-être de dépasser. Non. Tente pas de dépasser le copain Perez. Oh là là, par contre, ouais, non, Sainz, par contre, il est hyper agressif. Il est très très agressif là en ce début de Grand Prix. Et on n'est pas si mal que ça parce que Perez est plus ou moins au même niveau du capital pneu. Hein. Il est plus ou moins au même niveau que nous. Et Leclerc a dépassé Tsunoda. Il est désormais dans les points, Leclerc. Il a dépassé où? Ouh, joli, joli, bien joué. C'est dans le... Ben c'est toujours... C'est à la fin, il me semble, du premier secteur. C'est à la fin du premier secteur, dans le gauche. Donc ça, c'est parfait. Non, c'est au milieu du premier secteur. Pardon. C'est moi qui ai fait une petite erreur. Il va peut-être falloir s'occuper de Leclerc. Mais il y a 4 secondes. Oh, ouais, ben oui, le problème maintenant, c'est que... Et là, par contre, Sainz, il est en bonne posture. Est-ce qu'il va tenter le dépassement? Non, Perez, par contre. Et défend plutôt pas mal. Et Sainz va tenter. Il passe. Bien joué, Carlos. Bien joué, voilà. Et il a dépassé. Allez, maintenant, faut aller chercher Verstappen. Faut aller chercher Max Verstappen, maintenant. Et là, Leclerc, maintenant, il faut passer à la vitesse grand V. Faut aller attaquer. Faut aller attaquer absolument. Faut pas traîner. Faut absolument pas traîner. Et ouais, là, ben, Perez, le problème, c'est que là, Perez, il va avoir le DRS. Et voilà. Et voilà. Ben oui, le pépère, ah, ouais, il va en profiter de ouf. Hein. Ça, c'est clair et certain. Hein. 2 secondes, 1. Ouais, donc il rattrape bien les Aston Martin, hein, Leclerc. Hein. Il rattrape très, très bien les Aston Martin.
Il n'y a pas en râler. Par contre, par contre, Sainz, au niveau des gommes. Oh là 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 là, mon dieu. Mon dieu. C'est vrai qu'il est. Il est très très agressif. Ça, je ne. Voilà, ça c'est pas. Eh, comment dire? Ça, on ne discutera pas là-dessus. On est super agressif avec nos tendres. Mais je pense qu'il va falloir quand même qu'ils mettent des hards à la fin de la session. Des hards en plein milieu, pardon, de la session. Parce que ça risque d'être quand même assez compliqué. Et là, c'est quoi? C'est Norris qui est passé devant Piastri, je sais pas. Ah, Ricardo est déjà au box. Ricardo, il passe au box. Ah, il en peut plus déjà de ses tentes. Qu'est-ce qu'il met, Ricardo? En même temps, c'est pas une voiture référence non plus, hein. Bottas aussi est au stand. Et il met des médiums. Ok, d'accord. Donc des médiums, il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour Ricardo. Et la Bottas, à mon avis. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Racing Bulls. Mais oh là là là, mais c'est quoi ce truc de pistolet à la con? Ah, pardon, excusez-moi. Oh là là, ben voilà, ben problème du coup, hein. Et là, les gars, il y a un gros souci. Je ne sais pas ce que ça va donner les gars au niveau de l'écran, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que l'écran a subitement changé du coup de l'écran, hein, parce que j'en ai trois en fait, et je ne sais pas pourquoi il a été sur l'écran que je n'utilisais pas. Voilà, hein, donc c'est globalement très agréable, hein, vous vous en doutez. Alors, on va essayer de corriger ça. Donc, hop, on va essayer d'aller un peu sur l'autre écran. Je ne comprends pas comment est-ce possible ce truc-là. Mais bon, c'est les joies. On va dire ça comme ça. Hein. On va dire ça ainsi. Qu'on va. Voilà. Alors, le temps de corriger tout le bazar. Excusez-moi. Hop. Et on va aller. Comme ça, est-ce que ça passe comme ça ou pas? Hop, désolé les gars, je suis absolument désolé, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, hein, c'est les aléas du direct et on y retourne. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, voilà, ça fonctionne et on y retourne. Bon, mais désolé les gars, désolé, ce petit problème d'écran. Donc, on retourne dans cette course. Le problème, c'est que Carlos, ouais, il a 4 secondes. Et avec les gommes, comme il est là, bah, il est emmerdé. Et là, il va falloir quand même s'occuper un peu de Leclerc. Magnussen au box. Leclerc qui est derrière les deux Aston Martin, il va falloir qu'il prenne l'ascendant plutôt rapidement. Et Leclerc, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait, hein. Il a dépassé Alonso. Et il va dépasser bientôt Stroll. On a vu le dépassement en direct, hein. Donc là maintenant, oh là là, oh, je me dis Leclerc qui va tenter de dépasser dans ce virage-là. Ok. Allez, on est derrière. De toute façon, les deux Ferrari sont en mode hyper agressif et il va tenter à l'extérieur. Bien joué Leclerc, il dépasse Stroll. Et là Hamilton, voilà, Hamilton il va au box. Il avait quoi Hamilton? Il avait des tendres, il change pour des... Pour des tendres? Ok, d'accord, pourquoi pas. Alors, les gars, par contre, on va tenter une stratégie. Alors, je vous le dis, les gars, je tente à la one again là. Hein. Je le tente à la one again, la stratégie. Là c'est vraiment. On va voir ce que ça donne, quoi. Hein. Donc, on va utiliser les tendres, hein, comme des oufs. Donc là, on est à 1 seconde 6. On va utiliser les tendres comme des dingos. Et on va mettre soit des hards, soit des médiums. Et Perez va au box. Alors, il faudrait peut-être suivre ce qu'il fait là. Et il remet des tendres. Ok, d'accord, pourquoi pas. Alors, Sainz, par contre, il faut absolument qu'il fasse des tours.
Absolument qu'il fasse des tours canons à la Carlos. Et on va mettre des hards. On va mettre des hards. Ce serait mieux en fin de course, mais on va mettre des hards. Hein. Ce sera peut-être pas mal comme ça. Et donc, pour Sainz, ce qu'on va faire, voilà. On va mettre des hards. On va pas scraper le chignon. Et pour Sainz, pour Leclerc, pardon, on va pas, voilà, on va pas s'embêter pour le moment. On ne fait rien, mais en tout cas, Leclerc, il est remonté quand même cinquième. Hein. Il est remonté quand même cinquième, Leclerc. Hein. Donc c'est vraiment pas mal. Alors, il y a 10 secondes, donc ça c'est, entre guillemets, c'est beaucoup. Mais il limite quand même fâcheusement la casse. On est qu'au 16e tour encore. Hein. Donc, bon, peut-être moyen de jouer un petit peu. Et c'est parti les amis. Voilà, on boxe avec Sainz. On met des hards tout de suite. Parce que les gommes commencent à être mal fichues. Voilà. On va voir comment l'arrêt se passe. Comment ça se passe. Hop. Ça se passe plutôt pas mal. Hein. Ouais. Ça s'est bien passé. Et Russell rentre aussi. Russell rentre aussi. Et Sainz, voilà, il est sorti. Troisième, c'est pas mal. Hein. Et là, est-ce que Perez sort devant? Non, il sort derrière. Yes! Au moins, c'est pas plus mal. Il est sorti. Il est sorti devant Perez. Donc, c'est pas plus mal. Et là, maintenant, Leclerc avec ses hards. Ses hards usés, on va dire ça comme ça. Hein. Ouais. Donc là, faut. Faut enchaîner les chronos. Hein. Là maintenant, faut vraiment enchaîner les chronos. On va voir ce que Sainz propose au niveau des chronos. Mais ouais, et on va faire rentrer Charles Leclerc. On va entre guillemets copier la même stratégie. Voilà, c'est la stratégie du je tente quelque chose les gars mais je sais pas ce que ça donne. Hein. Donc c'est vraiment la stratégie c'est ça. Bon. Allez, box pour Leclerc. Voilà. Et Sainz du coup va repasser devant. Et Perez par contre il y a 3 dixièmes. Hein. Je sais pas. Ouais mais Perez attention à détendre aussi. Hein. Perez à détendre. Hein. Là. Alors Leclerc, ça s'est bien passé pour Leclerc, yes. Pas plus mal. Par contre, il va peut-être ressortir derrière les Merco. Ça ne me plaît moyen. Il sort derrière la Merco d'Hamilton. Ok, d'accord. Bon ben d'accord, ok. Ouais, il y en a beaucoup qui se mettent en hard. Hein. Il y en a énormément pour le moment qui se mettent en hard. Et Sainz est à 9 dixièmes. Donc faut pas le lâcher le Perez. Parce qu'il est peut-être en train de le tirer. C'est peut-être pas mauvais comme stratégie. Mais faut pas le lâcher le coco. Certes il est en tendre. Mais il est en train de bouffer un peu plus les gommes que nous. Hein, le pépère. Oui il est à 84%. Il est en train de bouffer les gommes. Donc là il faut ne pas le lâcher le pépère. Essayez en tout cas de ne pas le lâcher. Maintenant, la théorie, ça va être beaucoup moins facile que prévu. 9 dixièmes. Je pense qu'il n'a pas le DRS. Ah si, il a le DRS. Oh yes, tour le plus rapide par contre pour Perez. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ici, c'est Sainz qui est en train de le coller. Et il est en train de le coller avec ses hards. Donc là, on est bien. Là, on est très bien. Et Leclerc, voilà, il essaye de taper des chronos aussi avec ses hards pour essayer de rattraper Lewis Hamilton. Et là, bah oui, là on est en train de faire le taf. Par contre, j'ai l'impression que peut-être Perez est en train de nous casser les bonbons. Et qu'il est en train peut-être de nous retarder. Donc ça, faut voir maintenant avec tout ce qui se passe. Ouais, il a pris une seconde de plus. Hein. Ouais, bah oui.
Là, faut peut-être user un peu plus nos gommes. Et Verstappen est au box. Il a été avec des médiums. Hein. Donc là, ça va être le premier arrêt qu'il va faire. Allez, on va voir ce que ça donne pour Verstappen. J'espère qu'il y aura un petit problème. Alors. Et il met des tendres. Et ça se passe plutôt bien. Hein. Ça se passe même très très bien. Et Verstappen, à mon avis, il va ressortir devant Perez. Ouais. Ah, quoique. Ouh là 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 là. Et ça va être serré, mine de rien. Ça va être serré, mine de rien. Est-ce qu'il repasse? Est-ce que c'est il se passe devant? Ouh. Ah, il a failli en boutique, Sainz. Ça, c'est dommage. Vous voulez passer devant. Aïe, 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 aïe. Dommage. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. On reprend le sens, entre guillemets, de la course. C'est pas grave. Par contre, il faut absolument que Leclerc parvienne à rattraper Hamilton. Sainz, par contre, ouais, il va avoir du mal à suivre. Mais ça, bon, c'était prévu. Hein. Et là, tour le plus rapide pour Verstappen. Il est en train d'enchaîner les connards. Et Piastri, par contre, rentre. Et il met des médiums pour des médiums. Ok, d'accord, pourquoi pas. Allez, Leclerc. Leclerc, ouais, Leclerc qui est derrière Piastri, c'est dommage. Il y a des pneus un peu plus frais, mais par contre la gomme hard tient beaucoup mieux. Je me demande d'ailleurs si on va pas faire comme ça, les gars. Parce que les médiums, ils tiennent combien de tours? C'est ça que je veux savoir. Ils tiennent combien? 37 tours. Allez, on va dire en gros 30 tours. Donc il faudrait qu'on s'arrête au... au 40e. Il faudrait qu'on s'arrête au 40e tour. Donc, j'ai envie de dire que si je les mets... si on essaie de gérer jusqu'au 40e tour en les mettant, voilà, à allure, on va dire un petit peu plus élevé sans aller au maximum, c'est peut-être pas plus mal. On peut peut-être essayer de faire bien quelque chose de pas trop mal. Et on est dans les chronos. Oh, par contre, Verstappen, une 18. Oh là là, le chrono qu'il a tapé. Et Leclerc, il est en train justement de rattraper toute la clique là avec Piastri, Tsunoda. Donc ça, c'est bien. Et Leclerc, oh Leclerc, oh là là, la bagarre, oh la bagarre. Et là par contre il y a une bagarre avec ouais non, par contre là faut peut-être attaquer un petit peu Charles. Faut peut-être attaquer un petit peu Charles pour dépasser la Racing Bull, parce que là la Racing Bull, voilà, allez, ça va être merci au revoir, allez, oust, merci. Il a perdu un peu de temps là Charles. Il va recoller je pense, non? Leclerc dépasse tout le temps, on l'a vu hein. On l'a vu en vidéo. Et la McLaren qui tente par tous les moyens de passer la Merco. C'est pas si facile que ça. C'est pas du tout facile. Et Carlos, ouais. Carlos, par contre, qui reste à l'affût. Hein. Carlos, il reste à l'affût de la Red Bull. Hein. On va essayer de lui faire user un petit peu de RS pour essayer qu'il rattrape un peu tout ça. Mais il reste à l'affût. Hein. Il reste à l'affût de la Red Bull. Et là, Leclerc. Ben, Leclerc, voilà, il passe 6e. Il a dépassé Hamilton. Et maintenant, il suit Piastri. Allez. Essayez de le faire, de faire remonter un petit peu. Hein. Piastri est avec des pneus médiums, mais... Allez. Sainz. C'est pas plus mal pour Sainz. Il va à moins d'une seconde. Il y a moins d'une seconde, Carlos. Allez, il va pas pouvoir activer le DRS. Et ouais, il va pouvoir activer le DRS. Donc, c'est pas plus mal. Leclerc va pouvoir aussi, lui, activer le DRS. Voilà. Et on se colle à la Red Bull.
Qu'est-ce qu'il a? Ah, le bloc moteur, ouais, le RS pour. Pour Sense, ouais, ça on était au courant, malheureusement. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Norris, ouais, il est au bout de sa vie avec ses gommes. Et au bout de sa vie, Leclerc a dépassé Piastri. Leclerc a dépassé Oscar Piastri. Allez, il faudrait peut-être par contre que Sainz profite pour essayer de dépasser le bazar. On va voir, hein. On va voir ce que Leclerc a fait, les amis. Qu'est-ce qu'il a fait le... Il a dépassé ici à l'intérieur. Et en plus, ça bouchait bien devant. Mais Leclerc a bien profité. Bien joué, Leclerc. Extrêmement bien joué. Et là, maintenant, les amis, on est avec Carlos. Allez, Carlos. On va enlever un petit peu cette vue volant, hein. Allez, Carlos. Et il est collé. Il est collé, Carlos. Il est collé. Donc là, par contre, ça va sentir le beau dépassement dans la ligne droite, comme un grand. Alors peut-être qu'il ira pas chercher Verstappen aujourd'hui, hein, mais il peut faire deuxième. Ouais, et ah, il a le DRS devant aussi. Est-ce qu'il va tenter? Ouais. Les deux tentent, mais les deux passent pas. C'est simple, net et précis. 3 dixièmes. 3 gros dixièmes. Ok. Le reste à 36%. Ah ouais, il va y avoir un fameux problème de reste. Tsunoda déjà au box. Il avait déjà ravitaillé une fois, il me semble, Tsunoda. Je ne sais pas. Il me semble qu'il avait déjà ravitaillé une fois. Je peux pas en être si certain que ça, mais bon. Et là, par contre, à se bagarrer comme ça, on est en train de perdre du temps. Donc, il faut plutôt... Il faut attaquer là du côté de Carlos. On a des pneus hard, autant les utiliser. Et il va attaquer. Il va attaquer ici. Et ouais, il va dépasser. Non, il va même pas dépasser Perez. Alors là, par contre, ça va être emmerdant. Si on ne dépasse pas. Et là, Lando Norris qui rentre au box. Lando Norris qui rentre. Et bagarre encore, les amis, vous l'avez vu sur la droite de l'écran, entre Carlos Sainz et Perez. Perez, pour le moment, qui garde l'avantage, mais c'est... oui, il est dépassé. Dépassé, là, carrément, Perez. Hein. Et là, par contre, il faut activer. Faut activer du côté de... Et là, Norris, et... ah, il y a eu un problème. Est-ce que Leclerc passe devant Norris? Et il passe devant Norris. Par contre, il est en train de se faire attaquer par l'autre McLaren, celle de Piastri. Et Piastri, il passe devant... Oh, par contre, oh, Sainz, par contre, il a pris une seconde 2. Il a pris carrément une seconde 2 sur le Copa Perez, là. Une seconde 4. Une seconde, ouais. Ça joue un petit peu. Ça jongle un petit peu. De toute façon, on a un train encore de médium 9. Hein. Donc ça, c'est pas à négliger. Hein. Faut arriver à suivre. Faut arriver à suivre. Moi, je dis, faut arriver à suivre, les gars. Faut suivre, faut essayer de, tant bien que mal de suivre la McLaren. Elle est médium, hein. Mais à 80%, Piastri. Donc c'est pas. Voilà, c'est pas gagné-gagné, hein. C'est pas gagné-gagné. On va continuer en agressif. On va rester en agressif. On va essayer de revenir sur Max Verstappen. Il est avec des tendres. Il est avec des tendres. Donc il y a peut-être moyen que la stratégie fonctionne pas trop mal. Par contre, les amis. La menace directe qu'on va avoir, c'est Lando Norris avec ses tendres. Ça va être une menace directe, ça. Et là, surtout que Leclerc n'a pas le DRS, là, il va se faire passer comme... là, ça va être du gruyère, la défense de Leclerc. Oh non, quoique, il défend bien le milieu de piste, Leclerc. Il a bien défendu le milieu de piste. Leclerc qui rattrape à... Ouais, une seconde, ouais, bon, ça va, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ouais, il se fait dépasser par Norris. Ouais, non, ça c'était à prévoir. Hein. Ça c'était à prévoir. Sainz qui a 6 secondes 4, donc il est en train de perdre du temps sur Max Verstappen. Les chronos sont en quoi? Une 19-2 et une 21-4, mine de rien, pour Verstappen. Donc on est même en train de le rattraper, c'est ça que je comprends pas. Enfin, soit c'est pas grave. Une 10e, il faut essayer de rester collé, Leclerc. Il faut essayer de rester collé. Je sais bien que c'est compliqué, je sais bien de tout ce que tu veux, mais il faut essayer de rester collé. 6 secondes 4. Là, Leclerc, il y a un drapeau jaune. Il y a une voiture de sécurité virtuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, pour le moment,
Voilà, on conserve les gommes. DRS désactivé, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si... Ah, il y a Sergeant. Sergeant qui est sorti au virage numéro 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans la ligne droite. Et il finit direct dans le mur. Oh, ouais, la réaccélération qui a été mal fichée. En plus, il a cassé son aileron arrière. C'est terminé pour Sergeant. Donc là, on va récupérer tout le bazar. Ouais, Sergeant, abandon, tu m'étonnes. Mais là, on va en profiter, les gars. On va en profiter justement pour... parce que là, Leclerc, il est collé au McLaren, donc c'est pas plus mal. Sainz, par contre, il a 8 secondes 3. J'ai l'impression qu'il a perdu un peu de temps sur Verstappen. Mais on va en profiter justement de cette VSC. On va en profiter à Donf. On récupère. On n'use pas trop les gommes. Donc c'est bien. C'est même très très bien. Ah, et là, reprise de la course, les amis. On réattaque directement. Allez, en neutre. Allez, on réattaque. On y va. Allons-y. Hop, voilà, c'est reparti, les amis. Et là, Leclerc, voilà. Il va pouvoir se mettre derrière. Il va essayer, en tout cas, de se mettre derrière les deux McLaren. Et d'attendre et médium, mais ouais. À 6 secondes 2. Ok, Sainz, 6 secondes 2. Et tour le plus rapide pour Lando Norris. On va quand même essayer, les amis, de les faire de suivre là. Leclerc, il faut absolument qu'il suive le bazar. Il faut absolument qu'il suive le bazar là, Leclerc là. À 6 dixièmes. Voilà. Donc il est revenu maintenant sur, Oscar Piastri. Mais j'ai l'impression qu'il est revenu plus parce que la Haas a gêné la McLaren. Ouais, je pense plutôt que c'est ça. Mais bon, au moins on en profite. Ça qui est bien. Donc on va fâcheusement là en profiter avec nos hards. Là, il est avec ses médiums. Il a plus ou moins la même mesure que nous. Mais là, on a le DRS. Donc là, ça va probablement passer pour le monégasque. Et à l'extérieur, il va pouvoir profiter d'une meilleure réaccélération. Il passe carrément dans le virage. Merci, au revoir pour Piastri. Yes! Parfait. Bon. Là, maintenant, on a 4 secondes quand même à revenir par rapport à Norris. Hein. Donc là, oh, Leclerc, par contre. Oh là là, le chrono de Leclerc, là, il a mis directement une seconde 3 à Oscar Piastri. Et Carlos Sainz, 5 secondes 8, Verstappen, par contre. Il faut qu'on fasse un arrêt encore, hein, les amis. Hein. Faut qu'on fasse un arrêt encore. Hein. Donc, je pense, franchement, que là, si on dépasse le 40e tour ou quoi que ce soit, on est plutôt pas mal par rapport à Verstappen. Hein. Et 2 secondes 8, Leclerc. Donc là, on est... Oh, par contre, on est en train de... De bouffer notre RS à vitesse grand V. Donc là, ce qu'on va faire, c'est par rapport à Verstappen, on va essayer d'utiliser notre RS. Un petit peu, en tout cas. Voilà. 4 secondes 8. 3 secondes 2 par rapport à Leclerc. Donc là, allez. On va essayer de récupérer un petit peu tout le bazar. Hein. Donc là, récupérer un petit peu de RS, Leclerc. Et attention. Donc Verstappen est au box. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des pneus hard. Ok, d'accord. Donc, des pneus hard pour Verstappen. Et apparemment, ça met du temps. Et il y a un petit souci. Il y a eu un petit souci. Un très, très léger souci. Mais c'était à cause de la Haas. Sainz, voilà, passe devant. Donc là, les amis, il faut attaquer. Là, c'est une attaque. Là, maintenant, il faut tenir jusqu'au 40e tour, plus ou moins. Et on aura des médiums neufs. Ouais, c'est ça le concept. Là, on attaque. Et là, voilà, faut faire tout, les amis, pour que Verstappen ne passe pas. Hein. Ça c'est clair, net et précis. Faut gêner Verstappen. Faut absolument défendre, là. Et vraiment bouffer de la gomme, bouffer tout ce qu'il y a à bouffer. Là, ça, ouais, ben oui. Là, ouais, Perez, oui, gêné, là, il faut gêner Verstappen. C'est Verstappen qui compte. Perez, limite, on sent... Voilà, ben bon, il est passé. C'est pas grave. C'est rien de grave. Pour le moment, là, on y va. Hein. On y va franco avec les gommes. C'est allons-y. Alors, on va essayer d'être agressif. On va essayer d'économiser quand même au niveau des gommes. Hein. Si on arrive à tenir 27 tours avec des médiums, c'est vraiment bien.
Oui, il revient, hein. Il revient bien à Verstappen, hein. Ouais, je me doute. Je me doute. Donc, les amis, on va maintenant opter pour des médiums. On va opter pour des médiums. Maintenant, c'est parti. Des médiums aussi pour Carlos. Et là, Leclerc, voilà. C'est parti pour Leclerc. Des médiums neufs. Yes. Il faut taper des tours hein, pour Sainz. Là, on n'a pas le choix. Et des hard, ah, des hard à 75% déjà pour Verstappen. Ah bon? Oh là là, ouais, quand même. Et des médiums. Hop, c'est bien. Ça se passe très bien pour Leclerc. Et Piastri rentre aussi. Piastri rentre aussi. Donc là, il va falloir être un peu plus calme au niveau des médiums, hein, les gars. Là, il va falloir être beaucoup plus calme. Et non, par contre, j'aimerais pas que la kick se mette devant. J'aimerais pas que la kick se mette devant, j'ai dit. Et elle s'est mise devant. Merde. Ok, ben bah, non, 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 et ça va. Et je vais pas me mettre en full attaque avec des médiums quand même. Hein. Ne déconnons pas, je ne suis pas timbré. Voyons, voyons, voyons. Alors, par contre, la kick, ce serait pas mal si tu dégageais, non? Ah, tu dégages pas en plus, tu le fais exprès. Bien sûr, elle le fait exprès. Bah oui, oui, bah oui, bah oui. Allez, allez, tu dégages la kick, dégage. Et elle dégage pas. C'est énervant. Dégage, kick à la con. Voilà. Non, ah non, non, ok, d'accord. Donc la kick fait de la résistance. Ah, c'est magnifique ça. Voilà, Sainz, du coup, voilà, il ressort. Lui, il ressort quatrième. Avec des pneus médiums. Et tout ça, oh là 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 là, cette kick, mais oh, c'est détestable. Et à 14 secondes maintenant, mais oh, mais la kick, on ne joue pas dans la même cour, ça suffit maintenant. Arrête d'emmerder ton monde. Ok. Alors, on va voir maintenant les chronos que ça, on va voir les chronos que ça donne du coup maintenant avec Sainz. Ouais, on va voir les chronos que ça donne avec Sainz, 17 secondes, 9, ouais, ok, d'accord, ouais. On va voir ce que ça donne. Normalement, on devrait être légèrement plus rapide que ceux devant. C'est ce qui se passe. Hein. Et là, Norris, ouais, Norris, il est rentré. Et il met quoi? Il met des médiums. Il met des médiums. Et il est gêné. Et il est gêné. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas plus mal, ça, pour Leclerc. Yes. Là, c'est vraiment pas plus mal. C'est vraiment pas plus mal. Il va ressortir devant, quand même, Norris. Hein, mais, oh, quoique. Quoique. Ouh! Leclerc est sorti devant. C'est pas plus mal. Allez, on dégage la Racing Bull. J'espère par contre que tu vas gêner l'autre derrière. Ou pas. Ah, tu ah non, t'as même pas gêné l'autre derrière. Merde. Bon, dommage. C'est pas grave. Allez, on se met en neutre. Voilà, on a récupéré quand même un peu de... Ah, drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe dans le secteur 1? Qu'est-ce qui s'est passé? Un tête à queue pour Magnussen. Qu'est-ce qu'il a... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, la voiture. Oh, la réaction bizarre par contre de la voiture. J'ai pas compris. Réaction bizarre de la voiture. Ok, d'accord. Bah, d'accord, pourquoi pas. Par contre, ouais, on va avoir un moteur. Et encore un drapeau jaune. Incident avec plusieurs voitures. Il y a un accident impliquant plusieurs voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est avec Lance Stroll et une Mercedes. Lance Stroll, qu'est-ce qu'il fait avec la Mercedes? Et je pense que c'est la Mercedes de Russell. Ok, d'accord, il y a eu un petit contact. C'est pas très grave. Un petit drapeau. Voilà, le drapeau jaune, voilà, c'est éteint tout aussitôt. Ouais, ouais, des hard usés, hein. Des hard usés qu'il y a devant, hein. Je pense qu'au niveau des tours, on est quand même mieux. Et ouais, une 18, oui, 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 on est en train de rattraper, là. On est en train de rattraper sans forcer, enquête. Donc Stroll et Russell, ouais, c'était Russell. Aucune pénalité. Ok, d'accord, bah, d'accord. Pourquoi pas. Alors, donc ici on est avec des... Oui, je pense qu'on va aller jusqu'au bout, les gars. On va aller jusqu'au bout avec cet endroit-là. Par contre, on va pas tenir le rythme du Stroll et Tsunoda au box. On va pas tenir le rythme, les amis, du carburant. Ça, c'est dommage. Donc,
Il va falloir. Pour Leclerc, c'est plus embêtant parce qu'il va pas pouvoir faire mieux que la quatrième place. Il est beaucoup trop loin en fait. Il est beaucoup trop loin et Norris, voilà, avec des médiums un peu plus. Donc il pourrait même se faire dépasser par Norris. Donc c'est un peu plus chiant. Par contre, Sainz, il est en train de rattraper Perez là. Pour rattraper, à mon avis, 13 secondes, ça va quand même être beaucoup plus compliqué. Mais. Ouais, mais il est gêné. Et il est gêné, Perez. Il est gêné. J'ai envie de dire que c'est pas mal. Et au moins. Par contre, j'aimerais bien que Leclerc prenne un petit peu. Attaque un petit peu. Comme ça, il pourrait distancer. Ouais, mais là, c'est ce que je craignais. Hein. Norris a pris. Voilà, à le DRS. Ça, c'est ce que je craignais un tout petit peu. C'est qu'il ait le DRS. Eh ben, il l'a. Hein. Ouais, ça, c'est clair. Hein, mais. Et c'est un arrêt au stand plutôt long là. Allez, on dégage. Racing bulle de merde. Oust! Tu joues pas dans la même cour, mon coco. Ah, et Perez, il va au box. Et il va au box, Perez. C'est pas plus mal. Et Leclerc, les amis, pourrait même être du coup troisième. Hein. Alors, est-ce que ça se passe bien? Et non, il y a un problème pour Perez. Yes, c'est pas plus mal là. Ça peut peut-être faire les affaires de Leclerc. Ça peut-être faire les affaires de Leclerc. Donc il est troisième, voilà. Perez, il va même peut-être ressortir. Ouais, non, ok, il ressort derrière Norris. Mais il a des gommes. Il a des gommes médium. C'est des gommes, à mon avis, ouais, c'est des gommes neuves. C'est des gommes neuves. Donc il pourrait potentiellement, je dis bien potentiellement revenir. Potentiellement. Alors, Sainz, 13 secondes 4. Par rapport à Verstappen, ça va être un peu plus compliqué. Disons que si on est deuxième et troisième avec les Ferrari, on a fameusement limité la casse. Hein? Il y a une Alpine qui va gêner là. J'espère qu'elle va gêner la McLaren. Elle gêne la McLaren. Oh, magnifique! Magnifique! Elle a gêné légèrement la McLaren. C'est ce qu'il fallait. Ok. D'accord. Et là, par contre, on va plus avoir d'essence. Donc là, il va falloir gérer le dossier. Parce que là, on peut plus se permettre au niveau du moteur d'y aller comme des dingos. Ouais, là, par contre, Norris va attaquer, hein. Il va attaquer. Il va être trop loin. Il va réattaquer ici. Se concentrer sur le rythme. Et on va se concentrer sur le rythme. Hop, let's go. Hop, 12 secondes 6. Ouais, à mon avis, on rattrapera jamais le coco, hein. À moins qu'on y aille comme des tarés sur lui. Ça va être, à mon avis, très compliqué. Et on maintient finalement la McLaren à cette dixième. Est-ce qu'on va pouvoir. Je me demande, les gars, si on tenterait quand même pas de. On rattrape quand même. Hein. Je me demande si on tenterait quand même pas de rattraper Verstappen avec nos moyens. Donc on va y aller un petit peu. Hein. Ouais, on va y aller un petit peu. Hein. Tout doucement, mais sûrement, comme dirait l'autre. On va tenter de rattraper un peu le bazar. Leclerc, lui, va tenter de distancer un peu Norris parce il m'énerve grandement à être derrière Leclerc. Voilà, et il est à une seconde et il n'a pas le J'ai DRS. l'impression qu'il est lent cet arrêt au stand. Donc, problème d'arrêt pour Magnussen. Là, on va équilibrer avec les arrêts. Là, on va faire un top-up. Huit secondes 9 hein, quand même. Et là, ouais, on va pas faire les andouilles. Hop, on va faire un top-up. Et on va mettre un standard. Ok. 8 secondes 7, 8 secondes 6. Ah, il a plus de batterie. Ok, d'accord. Plus de batterie pour Leclerc. Merde. Désolé, pardon. ok, donc là, voilà, il a 62%. Donc voilà, allez, Sainz, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ouais, non, je pense que ça va passer mes gestes. Honnêtement. Par contre, Leclerc, il est en train de se faire remonter là. Il est en train de se faire remonter. Donc on va juste légèrement augmenter la cadence. Verstappen au box?
Ah bon? À mon avis, il doit avoir peut-être un plan derrière la tête, hein, Verstappen. Hein. Mais j'ai pas compris son arrêt. Pourquoi il s'est arrêté? Ah, par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il sorte. Que Leclerc sorte devant. Est-ce qu'il sort devant, Leclerc? Yes! Il sort devant. Donc là, maintenant, va falloir défendre, les amis. Sainz a une occasion en or. J'ai bien dit en or massif. De... Oh, et c'est bien Leclerc. Bien joué, mon poteau. Alors maintenant, faut défendre. Faut défendre. Et Sainz, les amis, Sainz, il doit absolument prendre la poudre d'escampette. Et là, Leclerc, par contre, ouais, il est en train de défendre comme un acharné sur Verstappen. C'est pas plus mal. Vas-y, Charles. Tu peux y aller. Allez. Tu ne laisses pas passer, mon pépère. Ouais, bon, il l'a laissé passer. Merde. Allez. C'est rien. C'est pas grave pour Charles. Il a extrêmement bien fait. Alors, 16 secondes. C'est pas grave, mon poteau. C'est pas grave. Oh, par contre, ce qui serait pas mal, c'est qu'on profite peut-être de l'ERS de... Ah, merde, putain, c'est trop tard. Shit, c'est trop tard. Et Norris va avoir le DRS, lui. Eh ouais, il va avoir le DRS. Eh oui, il va avoir le DRS. Et ça me plaît moyen. Au niveau des pneus, on en est où? Norris a quand même un meilleur capital pneu. Et je me demande, Verstappen, s'il va pouvoir rattraper Sainz. Je pense que oui, à mon avis. Hein. Oh, la vitesse qui va. Ça va être vicieux. Hein. Alors. Faut se concentrer sur son rythme. Concentre-toi sur ton rythme, mon poteau. Allez, concentre-toi aussi sur ton rythme, Carlos. C'est bien 14 secondes. Oh là 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 là. Par contre, ouais, non, je pense, les amis, qu'il va taper des chronos, le Verstappen. Il va taper des chronos. Parce que 13 tours, Sainz a quand même combien? 62% de pneus. À moins qu'il tienne sur la durée, je sais pas comment va se passer le bazar. Ça va être très compliqué. 13 secondes. Oh là 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 là. Ça ratera bien. Eh ben oui, tu m'étonnes, tiens. Une 16. Et 16, il est en une 18. Oh là 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 là. Et oh là 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 là. Par contre, Leclerc, la défense de ouf qu'il fait sur Norris. 13 secondes. Allez. À mon avis, je pense qu'il doit bouffer les gommes, là. Ah, il doit bien bouffer les gommes, Verstappen. Écoutez, on va faire un top-up, les amis. On va essayer d'encaisser un maximum au niveau des gommes. C'est pas grave. Enfin, donc c'est un maximum au niveau de la récupération de l'ERS. De toute façon, faut récupérer de l'ERS. Là, Verstappen va nous rattraper. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Pendant 10 tours, il va faire que nous mettre la pression. Et j'ai l'impression, les amis, qu'il rattrape à 1 seconde par tour. Hein. Donc, ça va être... Oh, ça va être short. Ça va être short, même pour nous, ça va être short. Oh là 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 là. Il est en train de rattraper. Oh là 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 là, 71%. Alors là, oh, ça va être compliqué. On va pas gagner, les amis. Au pire, on fera deuxième et troisième. Hein. Mais on va pas gagner. Il est déjà là, Verstappen. Il est déjà derrière. Il est déjà derrière, le pépère. Ah ouais, ça va être... Oh. On va pas tenir. Ah, je vous le dis direct, les gars. On tient pas, ça c'est clair. Et là, on va y aller un petit peu avec nos gommes. Parce que là, on fait un peu bouchon. Hein. Faut se l'avouer. Hein. On fait un peu bouchon avec Leclerc. Peut-être en profiter un petit peu pour essayer de prendre un peu d'avance. Mais... Allez, Charles. Et là, il a peut-être le DRS. Oui, il a le DRS. Ça, c'est pas mal. Il faut en profiter. Ah, voilà, l'Aston qui ne gêne pas son monde. J'espère qu'elle va gêner le monde derrière, par contre. Elle a peut-être gêné le monde derrière, effectivement. Et là, il y a une seconde 2, une seconde 1, une seconde 3, une seconde 4. C'est bien. Allez. And we need to look after these tires. Allez, 4 secondes 6. Allez.
4 secondes 6, allez. Est-ce que l'Alpine va laisser passer? Putain, l'Alpine ne laisse pas passer. Désolé du terme que je viens d'employer. Et ouais, et là par contre, Sainz, ah ouais, non, il est emmerdé, hein. Il est emmerdé, hein, Carlos, hein. Il a le DRS au moins. 3 secondes 6. Oh, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué, les amis, de continuer Verstappen. Ça va même, je dirais même, ça va être impossible. Ça va être impossible. Il a, les gommes sont trop fraîches chez lui. Il est à 59%. Et regardez, les amis. Regardez, bataille entre Carlos Sainz et Verstappen. En tout cas, Leclerc, il aura fait une belle remontée, les amis. De la 20e à la 3e place. C'est pas encore gagné, mais bon, on peut dire que bon, c'est en bonne voie. Donc là, les amis, première bagarre entre Carlos Sainz et Max Verstappen. Verstappen, eh ben oui, il a des meilleures gommes. Et il n'arrive pas à passer. Yes, ok, d'accord. Donc, première bataille pour le moment, ça se donne, ça se solde par Verstappen. Tu restes derrière moi et c'est tout mon coco. Ouais, mais ça va être compliqué. Oh, Leclerc. Oh là là, Leclerc. C'est vrai qu'il y a 30%. Il reste... Il reste 2-3 tours, ça va pour Charles. Oh, la Williams a gêné un peu. La Williams a gêné. Oh, elle a gêné beaucoup même. Elle a gêné beaucoup, Verstappen. Merci, merci la petite Williams. Par contre, il faut pas que Leclerc fasse l'andouille. Est-ce que ça va être... oh là 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 là. Eh ouais, 2 tours. Allez, il reste 3 tours, pardon. 3 tours. Oh, aïe. Ouais, non, 16, bah oui, hein. Ouais, hein, eh oui. Oh, par contre, est-ce que 16 va continuer à faire de la résistance? Allez, Carlos. Eh non, je m'en doutais bien, hein. Je m'en doutais bien, mais c'est normal, Carlos. Au niveau des pneus, voilà. Au niveau des pneus, on savait pas faire mieux. Désolé, mon poteau. Et là, ça va être victoire de Max Verstappen, les gars. Et bon, Sainz ira au bout de la course. Sans le moindre doute. Mais là, va falloir s'occuper de Charles Leclerc. Parce que Charles Leclerc, il va avoir 3 tours de fou furieux avec ses... Avec les... Ah, il a un problème sur le fond plat en plus. Mais il va m'en casser combien des fonds plats, Leclerc? C'est le deuxième qui casse. Mais c'est vrai quoi les gars, pardon hein. Mais il va m'en casser combien? Ok, donc là donc on va sécuriser la deuxième place de Carlos, les amis hein. Et là par contre pour Leclerc, il a le DRS. DRS pour Charles. Oh, aïe. Ok, il reste 2 tours à Charles. Faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne le bazar. Oh là 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 là. Il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne. Absolument. Il doit tenir. Il doit absolument tenir. Ça va être compliqué, les amis. Ça va être compliqué. À mon avis, je pense que Leclerc va perdre sa troisième place. Il se fait attaquer. Non. Ça passe toujours pas. Il faut faire de la récupération. Ouais, t'inquiète. Allez, faut faire de la récupération. Oh non, il va pas dépasser là, non, voilà, ok, bien joué, voilà, il a bien, c'est bien décalé Leclerc, il faut absolument empêcher Norris de passer, il a 0.1, oh ça va être compliqué, il va falloir tout taper dans la ligne droite, parce que c'est là les amis que tout peut se faire, Verstappen qui entame le dernier tour. Et Sainz qui va être deuxième, donc ça va être un podium, peut-être même un double podium. Mais là, il va falloir, les amis, s'extirper de la menace Norris. Et là, ça va être compliqué. Parce que tout le monde derrière a le DRS. Tout le monde sur tout le monde, à part le pauvre Charles. Ah ouais, regardez-moi ça. Est-ce que ça va passer? Ça tente d'attaquer. Non, ça passe pas. Si, ça va passer. Non, ça passe pas. Alors Leclerc qui... Ça retente encore une attaque. Non, ça passe toujours pas. Ça passe toujours pas. Alors attention maintenant. C'est vraiment un des côtés, les amis, où il peut perdre sa place, hein, Leclerc. Hein. Donc là, voilà, on va conserver un peu les gommes. On va réduire un petit peu tout ça.
On réduit un petit peu tout ça. Allez. 7 dixièmes. C'est pas mal. On équilibre. On fait en neutre. Et si on s'en sort dans la prochaine ligne droite, les amis, on fait un double podium Ferrari. Embarqué comme on était, c'est pas trop mal comme résultat. Hein. Embarqué comme on était, c'est pas trop mal. Et là, la dernière attaque de Lando Norris. C'est Verstappen qui gagne donc du coup cette course du Grand Prix de Hongrie. Deuxième Sainz. Et là, maintenant, pour la troisième place, du coup, on attend. Hein. On attend. Est-ce que Leclerc va passer, va rester devant Norris? Et apparemment, il va rester devant Norris. C'est bien joué, les amis. C'est Leclerc qui font un double podium pour Ferrari. Yes, c'est fait. Charles Leclerc, troisième. Il est parti de la 20e place. Ouais, on peut dire que c'est un bon boulot. Hein. On peut dire que c'est un... On peut dire que c'est un bon boulot. Franchement, on peut dire que c'est un pas trop mal. Verstappen, certes, va reprendre des points sur nous. Ferrari, par contre, va en gagner. Va en gagner sur Red Bull. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Je pense que Sainz, lui, va rester premier au championnat des constructeurs. Au championnat des pilotes. Leclerc, je ne sais pas s'il va rester deuxième, par contre. Hein. C'est pas du tout. Et on a donc du coup les amis Verstappen, c'est Leclerc, Norris, Perez, Piastri, Hamilton, Russell, Alonso et Stroll pour compléter ce top 10. Et on a tous les autres derrière. Tiens, on peut voir Charles Leclerc parmi les pilotes en train de rentrer. Et c'est une troisième place qui lui permet de repartir avec un trophée pour marquer l'occasion. C'est au tour de l'Espagnol Carlos Sainz de monter sur le podium. Il en ajoute un de plus à son palmarès. Et c'est forcément encore mieux quand on réussit à faire non pas un, mais deux podiums sur la même course. En ce qui concerne ces trois-là, je pense qu'ils vont quitter Budapest avec l'envie de tout donner pour continuer sur cette lancée. En ce qui concerne l'équipe Ferrari, comment pensez-vous qu'ils se sentent après cette course ? L'écurie doit être fière d'avoir réussi à placer ses deux pilotes sur le podium. On dirait qu'ils ont trouvé la bonne méthode. Et c'est ainsi que s'achève notre séjour ici en Hongrie. Pour la prochaine manche, les équipes ajouteront une année de plus à la légende de Spa-Francorchamps. Tout peut arriver au Grand Prix de Belgique. Et donc voilà les amis, le classement hein, est clair, voilà 17 places, c'est Verstappen qui aille, il prend un point supplémentaire pour le meilleur tour. Verstappen, c'est Leclerc, Loris, Perez, Piastri, Hamilton, Russell, Alonso, Stroll, Tsunoda, Ricardo, Albon, Hülkenberg, Bottas, Ocon, Magnussen, Gasly, Guanyu Zhou et Sargeant qui a abandonné. Au classement des pilotes, c'est bien ce que je pensais les amis. Hein. Carlos Sainz donc mène ce classement des pilotes avec 251 points. Max Verstappen par contre est juste derrière, 249 points. Il y a 2 points d'écart entre Sainz et Verstappen. Charles Leclerc descend à la 3ème place. Mais bon, 11 points d'écart avec Sainz et 9 points avec Verstappen. C'est pas dramatique. 4ème Lando Norris, il est beaucoup plus loin. 5ème Piastri, 6ème Perez, Hamilton, Russell, Alonso, Tsunoda, Stroll et les autres ont 0 points. Au classement des constructeurs, c'est... Ah, Red Bull prend plus de points. Ok, donc 36 points. Mais par contre, il grappille 3 points sur Ferrari. Ferrari a 102 points d'avance sur Red Bull. McLaren, 346 points. Ils perdent encore des plumes sur le top 2. Mercedes, Aston Martin, Racing Bulls, Alpine, Williams et Kik Sauber pour les pitstops les plus rapides. C'est les Red Bull. Oh, les Red Bull, par contre, ont fait... un beau boulot et vous voyez donc du coup ici le classement donc des Facet Pit Stop Competition. Alors donc du coup ben c'est bien hein, on a au moins on a un peu de sous, c'est très très bien. Et donc ben ici et la recherche de 2024 est terminée. Ok, sur la suspension Beganovic donc augmente et là les amis on a un aileron avant dont la conception est finalisée, donc ça c'est bien. Le conseil a évalué vos performances jusqu'à présent en tant qu'officiel d'écurie pour la saison et a compilé le rapport ci-dessous, position actuelle, et ben, on, du coup on est bien. Ah, plus 1,5 million. Ok, ben merci, hein, Coco, hein. Merci, c'est gentil. Ok, nickel. Alors du coup, là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc recherche de suspension. Pour le moment, on n'y touche pas, les gars.
Pour garder un œil chez le pilote talentueux de Pépé Marty. Pépé Marty, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, Pépé Marty de chez Red Bull. Ah ouais, tu m'étonnes. Et à 19 ans, un espagnol. Ouais, non, pour le moment, non. N'embête pas. On va pas embêter son monde. Par contre, on va fabriquer les ailerons avant. Ça, oui, ça, il me le faut. Il me faut ces ailerons avant. Absolument. Donc, oui, on va confirmer. Faut absolument ces ailerons avant. Les châssis. Les châssis, il faut absolument en avoir. Ouais, il faut absolument en avoir deux. Trois même, je dirais. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On est mal. On est mal. On est un peu mal, les gars. Là, oh là là, on utilise du. Oh là là. Les deux châssis? Non, non, il y a. Ok, il y a un châssis qui est. Ok, d'accord. Ouais, de toute façon, il va falloir. Voilà. Donc, alors. Attends, si je récapitule. Parce que là, c'est un gros bordel. Point châssis! Immédiatement. Hein, parce qu'on va pas faire les andouilles et. Voilà. Point châssis immédiatement. Donc, voilà. Hein, châssis immédiat. Certes. On va utiliser du pognon, mais il en faut un. Voilà, installer un bazar. Je dirais même il en faut deux. Je dirais même il en faut trois. Mais bon, on n'aura pas de châssis neuf, quoi. Ça me dérange un peu. On va mettre en normal. Hein. Oui, il en faut un. Il en faut un de toute façon. Les ailerons avant. Ah, ils ont cassé les ailerons avant. Mais non, ils sont pas cassés les ailerons avant, par pitié, Axel. Ils ont pas cassé les ailerons avant, on va attendre les nouveaux. Alors, au niveau des ailerons arrière, par contre, j'aimerais bien qu'il y en ait un quand même. Ce serait peut-être pas mal. Au niveau du fond plat. Au niveau du fond plat, ce serait bien qu'il y en ait au moins un de rechange, quoi. Ouais. Ce serait bien qu'il y en ait au moins un de rechange, oui. Ah, attends, comment ça se passe le calendrier? Eh ouais, on a une course directe, quoi. Fabrication, elle en avant. Alors, il y a peut-être moyen de changer les fabrications, les gars. Peut-être moyen de changer les fabrications parce qu'il les faut absolument ces bagnoles. Ces trucs. Quantité 4. Il est un peu mal, hein. Et au niveau des finances, ouais, 25%, ça commence à arriver. Pas terrible. Voilà, la fabrication est terminée. Allez aux pièces de la voiture. Donc ça, c'est bien. Ok, ça, c'est bien. Alors, ensuite. Donc là, on installe sur la première voiture. Moi, il me faut un aileron avant conception. Mais non, 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 il faut un. Non, ça suffit. Alors, attendez. Attendez, les gars. Attendez, hein. Je suis en train de réfléchir que c'est le bordel partout. Aileron avant. Ou alors, ce que je fais, c'est que. Remboursement disponible. Oui, tu me rembourses, il n'y a pas de souci. Aileron avant. Je veux bien 3. Oh là 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 là, ça me fait encore un trou dans le budget de ouf, quoi. Allez, bah vas-y, hein. Ouais, bah oui, hein, de toute façon, est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Donc, voilà, tant pis. Tant pis. Je sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement. Il faut un fond plat, par contre. Il faut un fond plat. Et ouais. Il faut un fond plat. Est-ce qu'on en a? Ouais, on en a des 1, les amis. Au pire, ben, je suis désolé, mais au pire, les fonds plats, ben, il faudra faire.
avec les bazars, quoi. Je suis désolé, mais je sais pas faire mieux. Voilà. Les fonds plats, on en a refait. Le châssis, faut en refaire. Mais on n'en a pas. Est-ce que les châssis, par contre, on en a de stock? Moi, c'est ça que je veux savoir. Les châssis, on en a de stock? Oui, on en a des C1, mais ça ferait énormément bobo. Hein. Ça ferait mal. Hein. Hop. Et voilà. Donc ici, la Ferrari est plutôt pas mal. Ouais. C'est plutôt pas mal. Et au niveau des dépenses, oh là 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 là, 22% du plafond des dépenses, mon dieu. 31 millions, est-ce qu'on va tenir jusque là? C'est ça la question que je me pose, les amis. Est-ce qu'on va tenir jusque là? Là, Leclerc a un nouveau moteur. Sainz n'a pas encore de nouveau moteur. Et il va falloir de toute façon qu'on utilise, ouais ben bah oui, hein. Sainz de toute façon, il va se manger une pénalité. Je vais le faire manger des pénalités. Le moteur, oh le moteur, oh mon dieu. Il va devoir se débrouiller avec un moteur usagé, hein, Sainz, hein, malheureusement. Hein. Ouais, j'ai pas le choix. Et 20%, il reste 29 millions. Donc là, les amis, par contre, malheureusement, on ne pourra plus développer la bagnole. C'est plus possible. Développer la bagnole, maintenant, c'est impossible, on ne pourra plus le faire. Parce que quand j'aurai acheté le moteur qui est là, ça va être le bordel. Ah, je vous le dis direct, ça va être le bordel. On a droit à 4 moteurs, il me semble, sur la saison, c'est ça, hein. Ouais, 4. Ah, non, 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 on a acheté. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, on a acheté la pièce, ok. Donc, on a, voilà. Donc, on a droit à 4 moteurs. Si on utilise le 4e, on est dans le... Ben, du coup, on va utiliser le 4e de toute façon. Parce que... Et la boîte de vitesse, ben... Écoutez, les gars, tant pis. Hein, Carlos Sainz, c'est quoi comme Grand Prix? C'est... Punaise, je l'ai vu. La Belgique. Donc, il y a beaucoup de moyens de dépassement. Donc, à mon avis, ce serait quand même peut-être pas mal. Hein? Ce serait peut-être pas mal. De faire ça de toute façon. Ouais. Ouais, ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, oh, 11 Grand Prix. Oh là 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 là. Je me demande comment ce que je vais faire au niveau des dépenses, les gars. Je me demande comment je vais faire au niveau des dépenses. Ça va être hardcore. Et au niveau du classement aussi, surtout. Parce que là, on est vraiment mais dans un mouchoir de poche avec Verstappen. C'est... Oh. Là, on va être en problème de budget, de toute façon. C'est sûr, on va être en gros problème de budget. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Hein. On va essayer de se démerder pour. Je pense, de toute façon, que la deuxième place des constructeurs, on l'a. Hein, ça, c'est sûr. Et la deuxième place des pilotes, on l'a aussi. Ouais, on l'a plutôt, oui. Je dirais, on l'a plutôt. Mais bon. Ah, et regardez, les gars. On est à moins 504 000. Ça, j'avais pas vu au niveau du budget. Mais on va dire quand même que c'est vrai que j'ai bouffé le budget. J'ai énormément bouffé le budget. Mais là, bah, là le problème, je peux plus qu'un dépenser. Je peux plus qu'un dépenser. C'est plus possible. C'est plus possible. On est en négatif au niveau du budget. On est dans le caca, hein, complètement dans le caca. À moins que au niveau de la fabrication, on sache quand même développer les pièces. Ouais, de toute façon, les châssis, de toute façon, on en aura besoin. Mais c'est pas grave, les amis. On se retrouvera du coup, voilà, ben ouais, une petite recherche, hein, les amis. Je suis désolé, cette vidéo, donc elle va être longue par rapport aux autres. Mais en tout cas, ben voilà, on a fait un Grand Prix de Hongrie qui n'était pas dégueu. C'était hyper cool, en tout cas, de passer ça avec vous.
Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour le Grand Prix de Belgique. Merci à tous. Salut, les gars.